Maintenant, elle est super swag. Et aujourd'hui, on va parler un peu de cinéma. Monsieur va déballer sa science. Ta gueule, Willy. Peut-être vous vous êtes dit en regardant un film policier, pourquoi il y a de l'intrigue? Peut-être quand vous regardez un film d'horreur, vous vous dites, pourquoi je me fais dessus? Peut-être quand vous regardez la télé-réalité, vous vous demandez, oh Kevin, il m'a quitté, c'est trop un beauf, quoi. Eh bien, c'est pour ça que dans un film, ce qui le fait vivre, c'est les méchants. C'est pour ça que je vais faire mon top 5 des meilleurs méchants ever. Together. Forever. Ça veut dire quoi, together? Bande d'incapables. Et nous commençons tout de suite. Numéro 5. Alien dans Alien de Ridley Scott. Et je ne parle bien qu'uniquement du Alien de Ridley Scott. Ce méchant a la caractéristique de n'être vu que très peu de fois dans le film. Mais j'ai envie de dire, quand on le voit, on s'en souvient. Jake Mohamed. Numéro 4. Et ce n'est autre que Lane dans Mission Impossible 5. Ce film soit vient de sortir, mais ce méchant m'a vraiment marqué. Il n'est pas plus méchant ou plus cruel que les autres méchants, seulement il est interprété par Sean Harris, qu'on ne verra décidément jamais dans un rôle de petit nounours brun, de gentil bisounours. Visage marquant, mais ce qui me plaît le plus, c'est la fin du méchant. Sachant que ce film vient de sortir, pour éviter le spoil, nous allons donc faire une petite reproduction faite par nos soins. Oh non! Oh non! Ethan Hunt a refermé un pied sur moi. Oh là là! Pom, pom. Affliction. Numéro 3. Le cuisinier dans Ratatouille. Ceux qui auront vu le film me diront que ce n'est pas le seul méchant qu'il y ait aussi Anton Ego, le critique astronomique. En effet, Anton Ego, doublé par Bernard Tiphaine, n'est pas forcément méchant, il fait juste son boulot, c'est juste sa silhouette qui fait peur, son grand corps mince et sa voix que Bernard Tiphaine fait à chaque dessin animé finalement. Le personnage du cuisinier est assez intéressant, vu que c'est un méchant, mais il n'a pas le physique d'un méchant. Regardez son physique, il ne fait absolument pas peur, mais c'est là qu'intervient la méchanceté. Il séquestre un animal, il fait de la discrimination, il veut fermer un restaurant. On peut dire que c'est un peu le roi des... D'ailleurs, il me fait penser à une certaine émission.
Numéro 2. Joker, interprété par Jack Nicholson en 1989 et en 2008 avec Heath Ledger. Le Joker veut juste faire régner le chaos. Par ça, peut-être limite se faire un kebab, je sais pas. Bon, vous me direz que faire le chaos, c'est un but en soi, mais ta gueule! Bon, aussi, c'est un méchant des plus stylés des méchants. Hein. Nicholson, quand il te regarde, t'as juste l'impression qu'il va dire... Je vais te manger, puis te vomir, puis te tuer avec toute ta famille. Bon, Ledger, c'est un peu plus compliqué. Du coup, un petit extrait de The Dark Knight. Donne-moi une raison de ne pas demander à mes hommes de te faire la peau. Un petit tour de magie, peut-être. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada ! Il a disparu. Et le number one ! Je vous présente le plus grand, le plus beau des méchants. Je présente Monsieur Smith. Donc, Monsieur Smith dans Matrix, interprété par Hugo Weaving en 1999, et suivi de la trilogie excellente, j'ai envie de dire, des bons. Déjà, le film est bon en soi. Ensuite, Monsieur Smith intervient, qui est une machine rebelle qui veut contrôler le monde. Bon, concrètement, pourquoi il est numéro 1? Car Monsieur Smith est un des méchants les plus forts, les plus effrayants. D'où vient sa terreur exactement? Il peut être n'importe où quand il veut, donc ça déjà, tu le sens mal à l'aise. Puis en plus, il est indestructible. Génial, hein? Donc c'est réellement le méchant qui fait le plus flipper selon moi. Ensuite, vu que dans le troisième épisode, il y a plein de Monsieur Smith partout, au tournage, ça a dû être assez galère. Bon voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vert ou à t'abonner à la chaîne. Hein. Je vous embrasse très fort et normalement la rentrée commence demain pour moi. Vu que oui, je commence mercredi. À tous ceux qui commencent un mardi, ayez bien le seum. Prochaine vidéo, je vous fais découvrir le Japon. Donc à bientôt. Bye bye. Dans l'Alien de Ridley Scott, et seulement celui de Ridley Scott. De Ridley Scott, voilà. C'est tout pour moi. Alien dans Alien de Ridley Scott, et je dis bien que le Alien de Ridley Scott. C'est tout ce qui est marqué. Le méchant avec caractéristique. Oh, je déteste le mot caractéristique.